se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera un haul été vêtements bébé, enfin plutôt mini-fille pour Chloé parce qu'elle a 2 ans et demi passé. Donc oui, récemment je vous avais fait déjà un haul printemps-été sur tout ce que j'avais pu trouver pour Chloé pour cet été, mais forcément j'en ai retrouvé grâce entre guillemets aux ventes privées. Donc clairement je ne ferai pas les soldes, hein. J'ai tout trouvé là dans les ventes privées et l'avantage des ventes privées c'est que vous avez toutes les tailles de disponibles. Donc voilà, donc je vais vous présenter plusieurs marques. Tout ce que je vais vous présenter, je les ai eu carrément moins cher, donc je n'ai rien payé au prix fort. Elle a eu également des cadeaux, donc voilà, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, j'ai un gros tas de fringues juste à côté de moi, donc je vais piocher et je vais vous dire un petit peu à chaque fois les marques, les prix, je ne les aurai pas en tête clairement, mais j'essaierai de vous mettre des liens si je retrouve les vêtements sur leur site. Donc normalement, a priori, vous pouvez tout retrouver en magasin parce que je viens récemment de les acheter. Donc du coup, je pense que vous pouvez tout retrouver et je vous mettrai si je trouve un lien. Alors, pour commencer, je vais vous montrer cette petite veste-là. Donc elle est couleur saumon, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. Donc c'est une veste de chez 3 pommes, on l'a pris en 2-3 ans. Je pense qu'elle sera encore bien pour l'année prochaine parce que là elle est encore un petit peu grande au niveau des manches. Donc l'intérieur elle est comme ceci avec des petites têtes de chat, c'est trop joli. Donc avec une petite jupe en jean ou un short, ça passera nickel pour cet été. Voilà, et ça c'est le cadeau de papa. Ensuite, chez Tape à l'œil, je lui ai pris ce petit t-shirt là avec un signe, donc en sequin gold, or, donc j'aime beaucoup. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram, en fait, je pense que vous l'avez déjà vu sur Instagram. Pour ceux qui ne me suivent pas, n'hésitez pas à me rejoindre. Donc mon pseudo c'est exactement le même que ma chaîne YouTube, c'est Bout de Chloé tout attaché. Donc allez-y, n'hésitez pas parce que je poste assez souvent, voire tous les jours. Donc voilà, pour ceux qui ne me suivent pas, n'hésitez pas. Donc ensuite, pour aller avec, je lui ai pris ce petit short là, que je trouve trop joli. Donc l'ensemble va très très bien, les couleurs sont impeccables. Voilà. Toujours chez Tape à l'œil, je lui ai pris cette jolie robe. Alors ça fait un peu robe de cérémonie, de baptême, de mariage, mais bon, c'est pas grave. Moi j'avais beaucoup beaucoup aimé les petits détails. Voilà, comme ceci, donc je ne sais pas si vous voyez bien. Et en fait, le gros détail que j'adore sur cette robe-là, c'est le dos. En fait, vous avez une ouverture ici, en espèce de quoi, c'est comme un petit triangle, on va dire. Et vous avez des petits détails ici en argent. Voilà, donc ça fait vraiment robe de cérémonie blanche avec la petite dentelle devant. Enfin, voilà, mais bon, c'est pas grave. Moi, je lui mets quand même avec une petite veste en jean par-dessus. Ça passe très bien. Et je la trouve vraiment très très jolie au niveau du dos. Chez Zara, je lui ai pris un petit t-shirt comme ceci. Donc avec un petit flamant rose et une tête, c'est une petite fille. Voilà. Donc tout simple, il est rose poudré. Je lui ai pris en 2-3 ans parce que chez Zara, en fait, je comprends pas trop les tailles. En fait, une fois ça va, une fois ça va pas. Enfin, maintenant chez Zara, j'essaye parce que du coup, chaque collection est différente. Donc, du coup, je préfère essayer. Celui-là, il est un petit peu grand, mais c'est pas grave, c'est pareil. Elle le mettra encore l'année prochaine. Donc, voilà, il est très joli avec un petit short en jean, impeccable. Toujours chez Zara, je lui ai pris cette petite combinaison à carreaux jaunes. Donc attendez, je vais mieux vous la montrer, comme ceci, à bretelles avec des petits volants. Et au niveau du dos, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que c'est croisé comme ça. Donc faut rien mettre en dessous, hein, juste une culotte, pas de body parce que sinon ça sera très moche. Mais du coup, voilà, je sais pas si vous voyez très très bien comment ça se passe. Voilà. Mais moi je trouve ça très sympa. Et alors ce n'est pas une jupe, hein, c'est un short. Donc juste en dessous ici, voilà, c'est un short, vous voyez. Donc ça, je l'ai pris encore en 2-3 ans, voilà, et c'est encore un chouïa grand, mais ça va, quoi. Voilà. Ensuite, chez Sergent Major, en fait, à Annecy, il y a une boutique Sergent Major qui était en liquidation, là, juste avant les soldes. Donc du coup, j'en ai profité, j'ai trouvé quelques trucs, parce que en fait, ils ont fait une razzia, tout le monde est arrivé en même temps dans ce Sergent Major et en fait au bout d'une semaine il n'y avait plus rien. Donc du coup heureusement moi j'y suis allée dès le début et j'ai trouvé quelques trucs, notamment cette veste en jean. Donc celle-là elle est un peu grande,
c'est du 3 ans, mais c'est pas grave, je me suis dit c'est pareil, elle la mettra longtemps. Donc c'est un bleu vraiment très foncé, mais moi j'adore, avec des petits détails ici rose, les boutons sont roses, le petit nœud est rose poudré avec du bleu. Enfin moi j'adore beaucoup beaucoup la couleur. Voilà, on repart avec la marque 3 pommes, donc ça c'est encore un cadeau de papa. Donc toujours dans les magasins d'usine à Romains, donc c'est une jolie robe. Alors c'est un peu foncé, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc elle a plein de froufrou ici. Un petit détail avec des petits strass juste ici, 3 pommes. Donc ça c'est pareil, c'est du 3 ans, ça lui va un petit peu grand, mais c'est pas grave. Donc ça passe bien, moi j'adore, ça fait vraiment très joli. Puis avec la veste en jean que je vous ai montré juste avant, ça ira vraiment très bien. Voilà, j'adore. Et quand c'est papa qui achète, c'est encore mieux. Alors on continue avec Sergent Major, donc c'est toujours dans les liquidations que j'ai trouvé ça. Donc c'est une jolie petite robe rouge comme ceci. Donc moi j'adore le détail des bretelles en façon corde, j'adore. Donc excusez-moi, elle n'est pas du tout repassée, hein. Moi j'ai un peu du mal avec le repassage. Donc voilà. Donc je disais les petits détails en corde que j'adore. Et ici vous avez deux petits pins. Juste ici avec des lunettes forme cœur et une petite maison que vous retrouvez à la plage. Donc voilà, donc elle est faite avec un petit volant ici. Donc c'est un tout attaché, un tout en un. Et je la trouve vraiment très chouette. Et c'est pareil qu'avec une petite veste en jean, ça ira très bien. Donc j'adore. Et en plus, la couleur rouge à Chloé, ça lui va vraiment très bien. Ensuite, chez Tape à l'œil, je lui ai trouvé cette petite blouse là. Enfin, petite blouse débardeur, voilà, comme vous voulez. Donc j'adore les détails bleus. Donc ça fait vraiment été avec les feuilles. Là vous avez des perroquets, enfin vraiment, et je suis très déçue parce que je voulais ce modèle là en robe. Elle existe façon robe en fait, avec exactement les mêmes motifs, et pareil dans le dos, ils avaient fait une forme très atypique, et il n'y avait plus sa taille. Donc du coup je me suis rabattue sur la petite blouse qui est très jolie aussi, mais c'est vrai que la robe vraiment elle était très belle. Donc pareil, ça je l'ai pris en 3 ans. Pratiquement tout j'ai pris en 3 ans maintenant parce que je me dis qu'elle mettra ses vêtements beaucoup plus longtemps. Ensuite on continue avec Catimini. Donc pour ceux qui me suivent un petit peu depuis le début de ma chaîne, vous savez que j'adore la marque Catimini, mais que c'est pas donné, c'est pas ouvert à tout le monde, c'est pas donné, c'est cher clairement. Mais j'adore, mais maintenant moi j'achète que en vente privée. Carrément, parce que ça vaut vraiment le coup en vente privée ou en solde, hein, mais le prix fort on oublie. Donc j'ai trouvé pour commencer cette jolie robe que j'adore, et vraiment elle lui va vraiment trop bien. Donc voilà, donc c'est un petit visage avec des yeux. Sur le bas de la robe vous avez des pélicans jaunes comme ceci. Donc elle est vraiment très cintrée au niveau du haut du corps, et en base voilà, ça fait la petite jupe bouffante. C'est un tout en un et je la trouve vraiment très jolie. De toute façon j'adore toutes les robes de chez Catimini, elles sont vraiment très belles. Dans la même collection, et ça c'est le cadeau d'un de ses parrains, c'est cette jolie robe. Donc c'est exactement les mêmes motifs que je vous ai montré sur la robe juste avant. Donc c'est la collection pélican jaune, mais la forme n'est pas du tout la même, et celle-là lui va très bien aussi. Donc c'est vraiment robe fluide, donc quand il fait très chaud c'est très bien. Donc notamment ces derniers jours elle l'a mise quand il faisait très chaud, et du coup ça lui a arrangé bien. Donc voilà, donc les petits détails pélican comme sur l'autre en fait, c'est exactement la même collection et j'adore. Donc ça c'est pareil en promotion, toujours chez Catimini, et ça c'est encore un cadeau de parrain. C'est celle-ci, donc c'est exactement la même forme que la première robe de chez Catimini que je vous ai montrée. Donc cintrée en haut et bouffant en bas. Et la collection de celle-ci est vraiment super jolie, bleu comme ça, turquoise, vert, avec des petites fleurs. Enfin vraiment, je pense que là vous voyez bien sur la caméra. Et sur le haut, façon t-shirt en fait, vous avez des petits rappels vert jaune. Hop, j'espère que vous voyez bien. Donc voilà, celle-là elle lui va très bien aussi, et j'ai pris en 3 ans également, et celle-là était aussi en promotion. Donc ça vaut vraiment le coup quand vous adorez Catimini et que Catimini fait des promotions. On continue encore chez Catimini parce que oui, elle a été vraiment gâtée chez Catimini, et ça c'est son autre parrain qui lui a offert.
Donc c'est cette robe là, donc pareil bleu nuit avec des petits détails vert d'eau, bleu très foncé. Voilà, j'adore. Et celle-là elle est vraiment atypique parce que je ne sais pas si vous allez voir, mais vous voyez sur le côté, elle est, je ne sais pas comment vous dire, mais en fait elle est coupée un peu en fait. Voilà, vous avez des froufrous sur le côté et j'adore. Voilà, ça fait pas du tout la robe bien droite. Voilà, ça fait des petits détails que moi j'adore beaucoup. Voilà, et ça c'est encore son parrain qui lui a offert et elle était aussi en promotion. On continue avec Catimini et cette fois-ci c'est moi, c'est plus les parrains qui ont acheté. En fait, pour finaliser les tenues qu'ils lui ont offert, j'ai pris un petit gilet qui allait avec. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais le bleu rappelle la robe, enfin les deux robes que vous avez vues juste avant. Voilà, avec des petits détails or. Donc c'est le petit gilet comme ça derrière. Voilà. Et devant, j'adore. Donc quand il fera un petit peu froid le soir, hop, avec la robe, le petit gilet qui va avec, c'est impeccable. Toujours en promotion. Et dans la même collection Pélican des deux robes que je vous ai montrées au départ, j'ai pris le gilet qui allait avec. Donc celui-là, il est réversible. Enfin, quand je dis réversible, c'est que vous pouvez le mettre soit de ce côté-là devant avec les boutons, ou alors vous pouvez le mettre comme ceci devant avec le petit modèle Pélican, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc soit comme ça, soit avec les boutons devant. Et je trouve que les motifs sont vraiment trop jolis. Donc voilà, ça ira parfaitement avec les deux robes Pélican. On continue avec Zara. Donc chez Zara, j'ai trouvé... Alors celle-là, ça fait un petit moment que je l'ai trouvée. Enfin, un petit moment. Je dirais que ça ferait peut-être un mois et demi peut-être, je sais pas. Donc je peux pas vous dire si vous la trouverez encore en magasin. Donc c'est une petite robe comme ça. Donc pareil, on ne met rien en dessous hein, parce que sinon ça va faire très moche. Donc sur les petites bretelles, vous avez des petits nœuds, comme ceci. Et en fait, elle est rayée un peu façon marinière, avec des petites étoiles rouges, comme ceci, voilà. Et je la trouve vraiment, vraiment jolie, elle est pas courante, elle a deux petites poches sur le côté, juste là, qui ne sert à rien, hein, mais c'est pas grave, c'est pour faire joli. Donc voilà, toujours en 2-3 ans. Par contre, celle-ci en 2-3 ans, elle lui va impeccable. Donc je pense que l'année prochaine, ça passera plus. Comme quoi, quand je vous disais que chez Zara, leur collection, c'est un peu bizarre. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Donc celle-là, elle est nickel pour le moment, mais je pense qu'à la fin de l'été, ça sera plus bon. Voilà, voilà. On revient à Serge en Major. Donc je lui ai trouvé cette petite combinaison short, comme ceci, bleu avec, avec des flamants roses. Donc je vous montre de plus près. Voilà, je pense que là vous voyez bien. Il y a des pastèques, des ananas et les petites bretelles bleu ciel. Donc ça rajoute vraiment quelque chose à la combinaison. Donc c'est une combinaison short. Donc vous allez me dire oui, c'est un petit peu compliqué quand, quand les enfants commencent à aller sur le pot. Il faut tout enlever. Enfin voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est pas grave, enfin, moi je la trouvais jolie, donc du coup pour cet été ça ira très bien. Pour l'année prochaine, on verra. Hein. Mais voilà, je l'ai prise en 3 ans également et elle lui va très bien et je l'adore, elle est trop jolie. Encore du Serge en Major, alors je l'ai trouvée toujours en liquidation hein, chez Serge en Major. Cette jolie robe façon tennis woman, j'adore, elle est trop belle. En plus vous avez le petit détail juste ici des raquettes de tennis. Hop, voilà. Donc elle est vert d'eau, elle est trop jolie, il y a des petits détails roses. Et juste ici, ouais, vraiment ça fait la jupe des tennis woman quoi. J'adore, elle est vraiment trop belle. Et en fait c'est un peu, je sais pas si vous voyez, moi, là, au niveau du tissu, c'est nid d'abeille. Voilà, et je la trouve vraiment trop classe. Par contre celle-là elle est un peu grande, c'est du 3 ans mais elle est un peu grande aussi. Donc du coup c'est pas grave, ça fait un peu jupe longue, mais c'est pas grave, ça lui va bien aussi. Chez Orchestra, donc toujours si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir passer la petite tenue quand Chloé allait à l'école, elle avait sa petite tenue que je vais vous montrer juste à l'instant. Et j'ai participé aussi à un concours Orchestra pour gagner une carte cadeau, mais bon ça on en reparlera si j'ai gagné ou pas.
Mais voilà, je pense que sur Instagram, pour ceux qui me suivent, vous avez dû déjà voir passer cette tenue. Donc c'est un petit débardeur jaune comme ceci. Donc il est asymétrique, comme vous pouvez le voir sur le bas. Voilà, ça fait comme une petite forme flèche. Ici, dans le dos et devant, il a des petits détails ajourés. En fait, il y a des petits trous. Vous voyez mieux sur le dos. Voilà. Et pour aller avec, je lui avais pris ce petit short que j'adore parce que les couleurs, ça fait vraiment, vraiment été. Voilà, donc il y a des citrons, il y a des pamplemousses, des feuilles, enfin voilà. Et je lui ai pris en 2 ans le short parce qu'elle a des petites fesses. Donc du coup, même le 2 ans, des fois, si je ne resserre pas, parce que dans les shorts, souvent, même sur les pantalons, souvent, vous avez maintenant des petites ceintures réglables juste ici. Et du coup, des fois, même en 2 ans, bah, ça descend. Donc du coup, voilà, et j'adore vraiment l'ensemble, je trouve ça trop trop joli. Voilà, on continue avec Primark. Donc ça fait un petit moment que je suis allée chez Primark, mais je vous avais pas montré encore, même sur Instagram, j'avais pas montré encore cette tenue-là. Donc j'y avais trouvé une petite robe vraiment fluide, comme ceci, avec des flamants roses. Elle est bleu ciel, voilà, avec des paniers, des petites flamants roses. Et en fait, je l'avais pris pour quand on va à la piscine, en fait, quand on sort de la piscine et qu'elle a froid, j'enlève le maillot de bain et hop, je lui mets la petite robe comme ça, ça passe très très bien. Et elle est vraiment chouette, je l'ai eue pour rien du tout. Alors je me rappelle plus du prix, mais je crois que ça valait même pas 4 euros. Donc voilà, donc je trouvais ça assez pratique pour la piscine ou pour la sortie du lac, à la mer ou quoi que ce soit. Voilà, enfin, sortie eau, on va dire. Hein. Donc voilà, chez Primark. Toujours chez Primark, je lui ai trouvé ce superbe maillot de bain que j'adore. Vraiment, j'ai flashé dessus, il est vraiment trop joli. Donc une petite bretelle finie ici, la grosse bretelle sur le côté avec les froufrous là. Et le motif, en fait, je trouve qu'il est vraiment trop trop joli. Et je crois qu'en plus, j'ai vu passer sur, je crois que c'est le magasin Shein, enfin pas le magasin, le magasin en ligne, on va dire, le site internet Shein. Ils font un maillot de bain comme ça, vert. Et je pense que je vais m'en prendre un, je crois qu'il existe en une pièce, en deux pièces. Et je crois que je vais m'en prendre un comme ça, pareil, trop trop beau. J'adore ce motif. Donc il est un tout petit peu petit. Je sais pas, en fait, je sais pas à quoi je pensais à ce moment-là. Je lui ai pris du 2 ans et je pense que j'aurais dû prendre du 3 ans parce qu'elle est un peu longue, en fait. Donc du coup, il est un peu petit et je suis triste parce que l'année prochaine, elle le mettra plus. Donc peut-être que je retrouverai un dans le même style, mais voilà. Et il valait vraiment rien du tout aussi. Je crois que ça dépassait même pas les 10 euros. Donc je le trouve vraiment trop trop canon. Il est trop joli. On continue encore avec Primark et je crois que c'est les dernières choses que j'avais trouvées chez Primark. Donc je lui ai trouvé ce petit t-shirt là. Donc c'est pareil, si vous me suivez sur Instagram, encore une fois, vous avez dû le voir passer, cet ensemble-là, donc ce petit t-shirt-là. Donc je le trouve vraiment trop joli, il a un petit froufrou ici, à carreaux Vichy, hein, je crois que c'est ça, carreaux Vichy, je sais pas comment on dit ça, je crois que c'est ça. Donc il est vraiment trop trop joli, il valait rien du tout, je peux pas vous dire le prix exact, mais vraiment ça valait rien. Et pour aller avec, en fait, je lui ai pris ce petit short-là, excusez-moi. En jean, donc celui-là il était, je crois qu'il dépassait les 10 euros celui-là, je peux pas vous dire exactement, mais je le trouvais vraiment trop joli. Donc je lui ai pris en 2-3 ans, vous avez toujours les serrages à l'intérieur, parce que moi, comme je vous l'ai dit juste avant, bah, les pantalons et les shorts ont tendance à glisser si je prends pas la bonne taille. Donc voilà, je le trouvais vraiment trop joli celui-là, trop trop canon avec les petites étoiles façon américaine. Voilà, donc j'adore. On continue avec Vergaudet. Donc je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo déco haul printemps été. Donc j'avais passé une grosse commande pour la nouvelle chambre de Chloé. Je vous mets le lien juste ici si vous voulez le voir, ou là, je sais plus, je crois que c'est là. Mais en même temps, j'avais craqué sur cette jolie jupe, donc bleu foncé avec des petits détails bleu ciel juste en bas, et en fait elle a des bretelles. Donc ça, j'aime beaucoup ce genre de jupe là. Elle est croisée derrière. Et en fait, pour aller avec, je lui avais pris ce petit t-shirt là, avec des petites fleurs bleues. Donc ça rappelle vraiment la jupe. Et l'ensemble, je trouve que ça rend trop trop bien. Donc ça, j'avais trouvé sur Vergaudet. J'avais eu avec la carte compte client, j'avais eu une réduction, je crois, dessus. Et ça, vous pouvez encore le retrouver sur le site, parce que j'ai été récemment sur le site et elle y est encore. Donc voilà, donc j'adore. Trop trop joli. Et par contre, oui c'est ça, sur Vergaudet je lui ai pris du 3 ans,
et c'est très très petit. Donc je ne sais pas si vous avez déjà pris des vêtements sur Verbaudet, mais c'est très très petit et cette jupe là elle lui sert carrément au niveau de la taille quoi. Donc Chloé elle est super fine et le 3 ans lui sert, j'aurais dû lui prendre un 4 ans mais je pensais pas que Verbaudet taillait très très petit comme ça. On continue avec Zara et je crois que là c'est la dernière chose que j'ai pris chez Zara également. Donc je lui ai pris ce petit pantalon là, donc ça fait un peu pantalon de jogging fluide d'été, voilà. Donc avec les motifs qui vont bien, hein, forcément, palmiers, ananas, lunettes de soleil, voilà, donc ça c'est très très bien quand j'ai pas trop envie de l'habiller, que j'ai pas trop envie de me prendre la tête à l'habiller, voilà, je trouve ça très joli avec un petit t-shirt blanc, un petit débardeur. On continue avec Petit Bateau, donc j'ai pris deux articles chez Petit Bateau, non pas deux articles, j'ai pris plus de choses, mais bon j'ai pris des culottes, je vais pas vous les montrer, les culottes Petit Bateau, voilà, elles se ressemblent un peu toutes, hein. Donc je lui ai pris ce petit débardeur là, donc en fait je lui ai pris ce débardeur, enfin c'est débardeur body hein, on va dire, donc je lui ai pris ce style là pour dormir quand il fait très très chaud, parce que dans sa chambre en fait il fait très très chaud la nuit, donc du coup je me suis dit que ça allait être très pratique, voilà c'est une façon marinière rouge, voilà je sais pas si vous voyez bien. Et je l'ai trouvé chez Petit Bateau à Romande, donc toujours dans les magasins d'usine. Donc j'ai eu ça pour rien du tout. Donc voilà, ça c'est très pratique pour dormir. Moins quand elle commencera vraiment à être propre la nuit, hein, c'est pas encore le cas. Et ça, j'ai vraiment flashé dessus, donc c'est pour dormir également. Donc je lui ai pris le petit débardeur comme ceci. Les couleurs, j'adore, vraiment chouette. Avec, c'est trop mignon, le petit short. Voilà, donc c'est ça, c'est son petit ensemble nuit. J'adore vraiment, il est trop joli. Et c'est pareil, je l'ai trouvé au magasin d'usine à Romans pour rien du tout. On continue avec Tape à l'œil. Donc toujours en vente privée Tape à l'œil, je lui ai trouvé ce t-shirt là. Donc avec des pélicans que je trouve vraiment trop joli. Il a des détails ici avec des perles. Donc je vous montre de plus près. Voilà. Ça, il est vraiment trop joli. Je lui ai pris en 2 ans parce que le 3 ans, je lui ai essayé et ça lui faisait une chemise de nuit. Donc j'ai laissé tomber, j'ai pris en 2 ans. Avec un petit short en jean ou un petit short blanc, ça passe très très bien, c'est très joli. Juste pour information, je voulais vous dire en fait que prochainement, enfin je pense après cette vidéo-là, je suis en train de tourner en fait un lookbook spécial Tape à l'œil. Donc en fait, les vêtements que vous avez vus aujourd'hui, que je vous ai présentés en vidéo là, vous allez les retrouver dans un lookbook en fait, donc là je suis en train de tourner la vidéo et vous allez pouvoir la voir très prochainement si ça vous intéresse. Dernière chose chez Tape à l'œil que j'adore, c'est une grande combinaison, donc tout en un, pantalon, une combinaison pantalon, voilà comme ceci, avec le petit nœud ici, donc vous voyez les boutons devant et derrière, j'adore, vous avez la petite ligne juste en haut là, en haut du dos en or. Voilà, que j'adore. Je lui ai pris en 3 ans, donc c'est un petit peu long au niveau des jambes, mais c'est pas grave, au niveau de la taille, ça lui va parfaitement, et ça fait vraiment un joli style pour cet été. Moi, j'adore, j'ai vraiment craqué dessus, et c'est pareil, je l'ai eu en vente privée chez Tape à l'œil, donc vous pouvez encore la retrouver en magasin. On continue avec Tape à l'œil, mais cette fois-ci, c'est pas des vêtements, c'est un accessoire, et je pense que vous avez dû le voir sur une de mes photos Instagram. Donc c'est ce chapeau là avec écrit oh là là. Donc je vous le présente parce que je le trouve vraiment trop joli. Donc je ne l'ai pas trouvé en vente privée celui-là. Je l'ai trouvé bien avant les ventes privées. Mais voilà, j'avais envie de vous le présenter parce que je pense qu'il est encore en magasin. Ils le font également pour adultes. Donc moi j'ai exactement le même que Chloé. Je l'ai pris en taille adulte. Donc je trouve ça vraiment chouette de faire maman-fille. Donc voilà, donc je voulais vous le présenter. C'est chapeau paille. Hein. Type paille parce que ça, je pense que ce soit de la vraie paille mais voilà avec écrit oh là là, donc pour cet été je trouve ça vraiment trop trop joli et vous le verrez également prochainement dans une nouvelle vidéo, voilà. Et j'avais oublié de vous présenter une dernière petite chose que j'avais trouvé chez Verbaudet, c'est pas des vêtements, c'est une paire de chaussons. Donc en fait c'est pareil, je les avais commandés lors de ma grosse commande décoration pour la chambre de Chloé et en fait Chloé fait un petit 23, c'est un petit peu grand, donc je pense qu'elle va s'en servir pour aller à l'école hein, à la rentrée.
Mais en fait ces chaussons là je les adore. Elle avait déjà eu une paire comme ça bleue. Je sais pas si dans une ancienne vidéo, je crois que je les présente, ils étaient bleu jean. Donc là je les ai repris en rose, j'adore, ils sont vraiment trop jolis. Mais pareil, vers Baudet, au niveau chaussures, bah, pour le coup, il taille très très grand. Donc voilà, donc derrière, j'adore. C'est antidérapant. Donc là, je ne les mets pas encore parce que c'est trop grand. Mais je pense qu'à la rentrée, pour l'école, ça ira très très bien. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. J'essaierai de vous mettre au maximum les liens que j'ai pu trouver sur Internet, sur des articles qui auraient pu vous plaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas également à vous abonner parce que ça nous encourage vraiment beaucoup. Voilà, et puis bah, de toute façon je vous dis à une prochaine vidéo. La prochaine, comme je vous ai dit, ce sera le lookbook tape à l'œil. Donc n'hésitez pas à suivre nos aventures, n'hésitez pas également à vous abonner sur mon compte Instagram, Instagram Bout de Chloé, c'est exactement le même nom que ma chaîne, tout attaché. Donc je vous dis à très vite, à bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Ciao !